Atelier Géodesign, bonjour. Aujourd'hui, présentation d'un travail réalisé sur une Nissan 370Z. Donc la couleur est gris anthracite d'origine. L'idée était d'apporter une petite touche un peu plus sport. Donc j'ai créé une déco assez simple, plutôt esthétique, qui s'inspire simplement du véhicule et de ses formes. Donc là, on va vraiment s'en rendre compte sur le capot, puisque j'ai créer une déco qui s'inscrit dans la forme du capot avec une couleur similaire à la couleur carrosserie mais un rendu complètement différent avec un film à covering alu-brossé. Donc voilà, là on se rend bien compte de la texture avec un petit filet rouge de soutien qui définit un peu plus les formes de la décoration avec une prolongation sur le capot, sur le toit pardon. Un petit rappel du rouge sur le Z. D'ailleurs, comme les étriers. Voilà, sur le toit également. Et un dernier rappel sur la malle arrière. Niveau déco, j'ai également fait un covering sur le diffuseur arrière, puisque celui-ci était de couleur carrosserie, donc covering noir laqué. Le noir est tellement profond qu'on a l'impression que c'est une peinture, avec un petit filet de soutien rouge également. Encore une fois, le Z du monogramme sur l'arrière, en rouge. Et puis, en plus de la personnalisation, on a fait une protection carrosserie, donc avec un film transparent thermocicatrisant, sur la partie pare-choc qui venait d'être repeinte. Donc, c'était le moment idéal pour le faire. Donc, les kits prédécoupés se présentent sous cette forme-là. Donc là, c'est pour une Mercedes, mais bon, le principe est le même. Je vais essayer de vous montrer. Mais c'est tellement transparent et tellement discret que c'est dur, tellement brillant. Oui, là on voit la petite découpe arrondie. Oui, ouais. Là, il y a des petites bulles d'air et d'eau qui vont mettre un peu de temps à partir. Mais au moins on voit que le film a été posé. Ouais, c'est quasiment invisible. Là, ici, vu que ça a été fait en deux éléments, on peut deviner. Voilà, un élément et le deuxième. Mais à part ça, le rendu est vraiment quasi invisible. Ah oui, j'oubliais. Petite touche de rouge à l'intérieur de l'ouïe du pare-choc. Fait penser un peu aux semelles des chaussures Louboutin. Voilà. Projet plutôt sympa. Souhaitant que ça vous ait plu. Et à bientôt pour d'autres projets. Ciao.